Donc, je vais vous présenter notre acquisition remarquable donc, de ces dernières années, qui était le fonds Déodat Sévrac, du compositeur Déodat Sévrac, acheté en deux fois essentiellement, largement subventionné cette acquisition par des crédits État et Région, et surtout donc une opération de valorisation qui a suivi, qui elle aussi a été subventionnée au titre de la DGD pour des équipements pérennes de valorisation du patrimoine. Donc, très rapidement, qui est Déodat Sévrac? Donc, c'est un musicien, un compositeur qui a eu le bon goût, si je puis dire, de naître et de mourir des deux côtés de notre grande région, puisqu'il est connu côté toulousain, côté lauragais, où il est né. Et ensuite, il a passé la fin de sa vie, de sa courte vie, hein, puisqu'il est mort très très jeune, à 49 ans, à Céré, en Catalogne. Donc, très rapidement, donc c'est un jeune noble du Lauragais qui a été repéré pour ses qualités musicales, alors qu'il était au Conservatoire de Toulouse, par l'équipe de la Schola Cantorum, donc, qui à l'époque, autour de Saint-Gervais à Paris, cherchait des musiciens des provinces françaises. Enfin, il y a cette idée, c'est une idée très nationaliste, hein, c'est faut le dire, c'est un courant de la musique très, très à droite, on pourrait dire. Mais donc, il a été parmi ses premières promotions de la Schola Cantorum autour de Vincent d'Indy, etc. Donc, des musiciens qui, à l'époque, redécouvraient Palestrina, Bach. Enfin, ça paraît maintenant évident, mais ça ne l'était pas. Et c'était finalement une génération qui allait au-delà du romantisme wagnérien, enfin, pour revenir à l'essence de la musique française. C'était ça l'idée. Donc des très très bons musiciens, compositeurs, etc. Et donc il a fait sa formation à Paris à ce moment-là. Et il est devenu effectivement un espoir de la jeune musique française, de la musique dite impressionniste, qu'on a appelée impressionniste. Donc effectivement, jusqu'aux années 1910, il était reconnu comme un des jeunes musiciens très talentueux de ce mouvement. Et pour son malheur, si on peut dire, il a complètement rejeté le milieu parisien. Il a fait sa thèse de fin d'études à la Schola Cantorum, ça s'appelait les chapelles musicales et le centralisme, enfin quelque chose comme ça. Il a remis sa thèse et le lendemain, il est parti à Saint-Félix. Voilà, donc c'était très clair. Et il voulait effectivement retrouver cette inspiration régionaliste. Donc il a énormément cultivé dans son œuvre pour piano. Donc il a écrit sur le Languedoc et sur la Cerdagne, donc les deux côtés, avec une musique très inspirée par la nature, voilà, donc la vie des champs, enfin, puisque c'était effectivement, on a parfois dit que c'était le musicien paysan. Donc il allait dans la nature comme ça et il s'inspirait de ce qu'il entendait. Donc c'est de la très belle musique, mais effectivement ce choix anti-mondain, anti-parisien n'a pas aidé sa carrière. Et en plus il est mort très jeune, la guerre de 14 est arrivée très vite et il est mort très très jeune, donc il a souffert de ce discrédit. D'autant plus que donc à la fin de sa vie, il était vraiment très engagé sur des thèmes occitans, le renouveau occitan. Donc il figure d'ailleurs dans la fresque du Parnasse occitan de la bibliothèque de Toulouse. Il n'est pas très bien, ça c'est la grande salle, il n'est pas très bien représenté, il est en haut, de dos, mais il y est. Et donc du coup, il est aussi connu pour avoir aidé à transformer Céré en la Mecque du cubisme, puisqu'il s'est installé à Céré pour des raisons un petit peu familiales, c'est-à-dire qu'il avait il épousait une cantatrice, enfin une chanteuse de ses créations, enfin quelqu'un qui avait chanté dans ses œuvres lyriques, qui était la fille d'un négociant de Béziers, je crois. Et donc ça ne plaisait pas trop à la famille Sévrac. Donc en fait, il s'est installé à Céré pour fuir un peu ça, semble-t-il, il s'y est plus. Et il a fait venir tous ses amis parisiens, donc Picasso, Braque, qui ont fait finalement de Céré une ville de la peinture et de la peinture moderne, très moderne, jusqu'à maintenant. Enfin, voilà. Donc là, vous avez trois portraits de Déodat de Sévrac peints par Picasso. Le milieu, on le reconnaît, enfin, il y a marqué Déodat, ça aide à le reconnaître. Voilà, donc ils ont passé effectivement quelques étés d'avant-guerre entre 1911 et 1913 à faire de la musique, de la peinture à Céret.
Donc, Déodat Sévrac n'est pas du tout oublié. Notamment, il y a des mélomanes très pointus qui adorent Déodat Sévrac. Et notamment, c'est Aldo Ciccolini, donc le célèbre pianiste, qui a permis de reconnaître l'œuvre de Déodat Sévrac à partir des années 1970-1980, au point que, je ne sais pas si vous le savez, Aldo Ciccolini est enterré à Saint-Félix, à côté de Déodat Sévrac. Il a souhaité. Et donc, du coup, François-Michel Regnault, qui est professeur au Conservatoire de Perpignan, est actuellement la personne la plus. Il a fait plusieurs enregistrements et il est très, 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 très fort sur l'interprétation du piano de Sévrac, qui est très difficile, en fait. Serdania, c'est une œuvre notamment que les pianistes redoutent. Et donc en Lauragais, il y a le festival Déodat de Sévrac depuis des années, voilà, qui était un partenaire aussi pour nous, très, très présent dans tout ça. Donc on a acheté en deux fois aux descendants de Déodat de Sévrac. Donc là, j'ai mis une photo parce que c'est sympathique. Et c'est vrai qu'on a eu avec les familles un vrai bon échange, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas, ils ont pas souhaité disperser. Ils ont bien compris qu'effectivement, c'était mieux pour que cette œuvre soit reconnue de ne pas la disperser aux enchères. Donc, ils ont accepté. Enfin, voilà, ils souhaitaient vendre, mais ils ont très, très bien réagi aux arguments de se dire que il fallait le vendre à une institution publique. Enfin, ils ont bien compris, effectivement, tout ce qu'on pouvait faire en tant que bibliothèque de ces documents. Donc, pour nous, c'était une acquisition très pertinente, puisqu'il y a un très riche fonds musical ancien à la bibliothèque municipale de Toulouse, constitué autour de thématiques régionales, quand même en partie, mais ça vient de plus loin. Bon, je ne vais pas faire l'historique, le Franc de Pompignan, le Conservatoire de Toulouse, etc. Donc il y a des documents très anciens et très intéressants autour de la musique française et régionale, beaucoup de choses autour des opéras baroques, etc. Et c'est vrai qu'à Toulouse, on n'a pas eu de difficulté à convaincre nos élus que c'était important, puisque c'est quand même Toulouse, une ville de la musique dite classique en particulier. Donc du coup, vraiment, là, on a vraiment eu un répondant qui nous a permis de monter la première acquisition, surtout celle de 2016, qui était importante, puisque après estimation par un expert, on arrivait à presque 300 000 euros. Donc là, comment ça s'est passé? On leur a dit qu'on espérait bien avoir des subventions. Ils nous ont cru. Ce qui fait qu'ils ont allongé notre budget d'acquisition. Et effectivement, on a eu des subventions très généreuses, puisque là, ça a été le fonds du patrimoine. Donc pour les acquisitions, il n'y a pas de seuil, mais enfin, Jérôme Belmont me contredira si je me trompe, mais au-delà de 100 000 euros, on peut effectivement, pour des acquisitions tout à fait exceptionnelles, s'appuyer sur le fonds du patrimoine. Donc à 50%, vous voyez, on a été subventionné par le fonds du patrimoine. Et la région Occitanie aussi nous a accordé des crédits exceptionnels. Donc on n'est pas passé par le FRAB pour la grande, grande acquisition, la plus grande partie. En revanche, la deuxième partie, puisque enfin, vous le verrez, auprès des deux familles, oui, donc en 2020, c'était auprès de l'autre branche de la famille. Là, c'était un montant plus classique, on va dire, et on l'a présenté au FRAB 2021. Et Benjamin vient de me dire que ça avait été bien reçu. Qu'est-ce que c'est que ce fonds? Donc un fonds extrêmement varié. Donc, alors oui, que je vous dise, c'était resté à Saint-Félix, en fait. Ce fonds était resté à Saint-Félix. Donc Sévrac est mort à Céret. Ses amis, etc., ont classé ce fonds. Enfin, il y avait une sorte de fidélité amicale autour de Sévrac. Ensuite, ça a été transporté dans la maison familiale de Saint-Félix, où c'est resté. En nouveau classé dans les années 80 par un musicologue spécialiste qui s'appelle Pierre Guillot. Et donc c'était connu quand même, il y avait des musiciens qui faisaient le voyage de Saint-Félix, Ciccolini y est allé, enfin voilà, ils travaillaient sur les partitions, mais elles étaient quand même relativement mal connues. Et donc
ce Gilbert Black-Belair, qui est le petit-fils de Sévrac, voulait relancer ça à Saint-Félix. Il a lancé le festival Déodat de Sévrac avec Jean-Jacques Cubet. Mais il est mort très prématurément. Et donc, depuis les années 90, ça restait un petit peu comme ça, en déshérence. Jusqu'à ce que donc sa veuve et sa fille se décident à vendre à la bibliothèque de Toulouse. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Les partitions. Donc, ça, c'est très précieux parce que ça a été pas du tout dispersé. Et ça permet vraiment de travailler sur la création, donc depuis le brouillon, premières ébauches, jusqu'à des partitions autographes plus élaborées comme celle-là, les partitions de copistes, les épreuves corrigées et jusqu'aux éditions diffusées. Donc c'est vraiment une chaîne de création classée autour des œuvres. Donc c'était déjà assez bien fait par des muséicologues qui avaient travaillé dessus. Mais ensuite, bon, on a avancé. Voilà, donc vous voyez une épreuve corrigée de la main de Sévrac, des publications, voilà. Donc de la correspondance aussi, donc essentiellement de la correspondance passive, mais aussi un petit peu active pour la partie familiale, puisque donc Sévrac était très... très lié à sa mère, à ses sœurs, qui étaient restées à Saint-Félix. Et quand il était exilé à Paris, il leur écrivait beaucoup. Et c'est très intéressant sur ce qu'il fait, les gens qu'il rencontre. Donc là, vous voyez, à la fin, il écrit à sa sœur « J'ai accepté la proposition de Maeterlinck, mille poutou. » Et à côté, donc une carte postale de Picasso qui lui écrit, je ne sais pas où d'ailleurs, à Saint-Félix. Bon, voilà, il y a un ensemble de correspondances essentiellement passives, donc sa vie de comment il arrivait ou il n'arrivait pas à faire jouer ses œuvres dans les théâtres parisiens, voilà. Sa brève expérience de musicien qui veut se lancer à Paris, en fait, mais c'est très intéressant. De l'iconographie aussi, donc là, alors le clin d'œil régional, donc il a monté cette fameux opéra énorme, Héliogabale aux arènes de Béziers, donc le péplum de 1911. Donc voilà, on a toute une iconographie sur Héliogabale, on s'imagine mal ce que ça pouvait être, je pense. Et donc des dessins, des portraits, des affiches et des coupures de presse, donc toujours Héliogabale. Et alors du coup, nous aussi, on ambitionne d'être le centre de référence sur Sévrac, puisqu'on a complété à part des achats documentaires. Voilà. Donc on a beaucoup travaillé, on ne l'a pas laissé en carton, donc on a inventorié, catalogué et numérisé pendant 3 ans à peu près. Donc pour nous, c'était un peu le baptême du feu de tapir, puisque l'essentiel le noyau hein, du fond, c'est quand même les partitions autographes. Donc, c'est rentré dans Tapir, enfin, dans le CCFR via Tapir. Et on a aussi numérisé. Donc, en même temps, comme on faisait migrer notre bibliothèque numérique Rosalie sous Gallica Marque Blanche, c'était aussi un petit peu le baptême du feu pour voir comment, avec la date de valorisation de 2021, qui était le centenaire de Déodat de Sévrac, comment on arrivait à coordonner tout ça, c'est-à-dire la numérisation compatible avec la BNF, que la BNF ait le temps de le faire remonter, enfin voilà. Donc ça a été un peu une course contre la montre, mais ça s'est très bien passé avec les collègues de la BNF qui, effectivement, quand il y a des trucs de valorisation comme ça, ils essaient d'isoler dans les chaînes de publication des éléments. Donc du coup, l'essentiel du fond Déodat de Sévrac, les partitions, se trouve dans Rosalys et Gallica. Avec la possibilité, ça c'est l'intérêt de Gallica Marque Blanche, c'est qu'on a pu aussi agréger à notre fonds les documents concernant Déodat de Sévrac qui étaient à la BNF. Peu nombreux, parce que par définition, le fonds est resté complètement, quasiment intact à Saint-Félix, mais voilà. Et donc du coup, 2021, pour nous, c'était le centenaire de la mort de Sévrac et l'envie de le valoriser. Donc avec un très beau visuel créé par Thomas Iris, donc, qui non seulement fait des AMO sur Palanca, mais était aussi un web designer talentueux. Donc il nous a fait un beau visuel solaire
Et donc, malgré les confinements, les reconfinements, etc., on est quand même arrivé à faire une exposition qui n'était pas qu'une exposition, hein, puisque pour nous, c'était aussi la fin de l'équipement des espaces de médiation de la Bibliothèque d'études et du patrimoine. Donc, on avait commencé avec le soutien de l'ANRAC par acheter des vitrines il y a déjà un petit moment. Et là, la dernière étape, c'était effectivement de l'équipement multimédia pour les espaces de médiation, des bornes, du son, parce qu'une exposition sur de la musique sans écouter, c'était pas terrible. Donc voilà. Et aussi, donc. Nouveau développement dans Rosalys, parce qu'on n'a pas fait de catalogue d'expo, mais on a une stratégie tout numérique, c'est-à-dire qu'on veut faire des dossiers numériques autour de nos expositions. Donc ça a été des dépenses en investissement avec des subventions DGD sur les différents chapitres développement numérique, équipement nécessaire permettant une meilleure valorisation du patrimoine, etc., etc. Donc j'ai pas fait le détail des subventions, mais on a quand même, on a fait un investissement d'à peu près 100 000 euros quand même. Tout mis bout à bout, hein, entre démarches muséographiques, achats, etc. Et donc, selon les différents chapitres, des taux de subvention différents, mais effectivement, un accompagnement financier très important de la DGD. Donc voilà, et donc ça a donné ça. Donc ouais, à la Bibliothèque d'études et du patrimoine, on a un tout petit espace d'exposition, malheureusement, tout en long comme ça. Et donc on a décidé de permettre des projections sur les murs, ce qui permet de contextualiser les documents. Ça marche assez bien. Donc notamment, on ne le voit pas, mais sur le mur du fond, on a même commandé un petit reportage, en fait, ce qui donnait une possibilité d'avoir une sorte de visite guidée, sans guide, c'est-à-dire, hop, on mettait, ça faisait un truc un peu immersif, sympathique, avec des projections, donc sur tous les murs, enfin les trois murs, puisque c'est un espace comme ça, en long, et on voyait des choses défiler sur les murs, avec de la musique, évidemment. Donc, c'est les équipements là que vous voyez au plafond, c'est effectivement des choses qu'on a achetées, des rétroprojecteurs mini et administrables, et puis d'autres choses qui améliorent nos vitrines. Voilà, et du mobilier aussi, puisque donc ça c'était, pour ceux qui connaissent la bibliothèque, c'est à l'entrée sur la gauche, et là c'est quand on entre, ce qu'on appelle le deuxième hall, donc l'espèce de petit espace avant de rentrer dans la grande salle sous coupole. C'était un espace mal meublé, voilà, bon, pas très réfléchi. Et donc du coup, on s'est équipé de ça, là, c'est ce qu'on appelle les mouchards à biais. Donc c'est des paravents faits spécialement pour nous, qui sont, on peut mettre des aimants dessus. Donc effectivement, pour tout ce qui est présentation, on commence à s'en emparer, et ça nous permet d'utiliser mieux cet espace de passage voilà, pour présenter des collections. Et donc, vous voyez une borne là sur le devant. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Oui, alors ça, c'est un dessin de quelque chose qu'on a mis dans la grande salle, vous le voyez au milieu. Ça permet de. C'est la fresque du Parnasse occitan, donc où il y a plein de gens qu'on peut essayer de. Tu l'as pas vu? Eh bien, il faut que tu viennes. Et donc, c'est dans la salle. Comment? En ce moment, c'est compliqué, oui, voilà. En ce moment, là, tu peux pas y aller aujourd'hui. Mais effectivement, on peut repérer Sévrac et les autres. Et ça, c'est un équipement pérenne, puisque Sévrac a une toute petite part, hein, là-dedans. Mais l'explicitation de la fresque du Parnasse, ça a du sens pour Toulouse, pour l'Occitanie en général. Enfin, c'est vraiment représentatif d'une époque, le renouveau occitan, voilà. Et pour nous, on espère que ça pourrait être une première étape d'un parcours d'interprétation du bâtiment, puisque ça, c'est un axe qu'on souhaite développer à la Bibliothèque d'études du patrimoine. C'est un monument de Toulouse et c'est une façon de donner accès aux bibliothèques et au patrimoine qui marche très bien, puisque nous, on a un public, moi je les appelle les têtes en l'air, ils regardent la coupole, enfin quand on peut la regarder, ils rentrent comme ça, et puis, voilà, et puis ben, on fait des visites. Mais effectivement, expliquer ce qu'est une bibliothèque patrimoniale, etc., c'est peut-être pas tout à fait abouti. Donc je pense qu'on pourrait aller plus loin avec l'office du tourisme. Enfin, il y a plein de choses à faire. Voilà. Donc du coup, on a cette première borne qui va rester. Et puis, s'il pouvait y en avoir deux autres, enfin, voilà. Donc ça, c'est une idée à venir qu'on soumettra à la DGD, je pense.
Et donc, on a un site internet, donc qui n'est pas dans Rosalys, puisque donc Rosalys est une Gallica marque blanche, donc avec des pages d'éditorialisation déjà pas mal, mais la BNF contrôle hein, quand même. Enfin, on fait pas des choses là. Donc du coup, comment? Non, non, ils sont pas, ils sont partis. Oui, c'est vrai. Non, mais ce que je veux dire, c'est que une Gallica marque blanche, ça a déjà beaucoup évolué, hein, parce qu'au début, c'était des sites un peu basiques. Là, maintenant, comme tout le monde veut faire des pages éditorialisées, ils ont quand même ouvert leur chakra, comme dirait Sophie Mazens. Mais là, on est allé au-delà, c'est-à-dire que ça, c'est une sorte de satellite. C'est un autre site qui est rattaché au, voilà, qui lui aussi a été subventionné par la DGD au titre des, enfin, des développements. C'est pas développement numérique innovant, mais enfin voilà, numérisation, valorisation numérique. Voilà, donc il y a de la musique, il y a des collaborations scientifiques qui ont été faites par des étudiants en musicologie, enfin voilà, c'est très complet, et ça vit par définition hors de l'exposition physique, puisque ça est destiné à être un site de référence donnant accès aux numérisations et à d'autres ressources sur Séverac partout. Sur le web. Voilà, et donc du coup, ce qu'on a fait en 2021, c'est outre l'exposition, la numérisation, bien entendu, des concerts et des rencontres. Donc l'objectif, c'était de faire écouter et jouer l'œuvre, évidemment. Donc avec des concerts, donc beaucoup de beaux partenariats, Orchestre du Capitole, festivals, conservatoires, écoles de musique. Et puis on a même mis des partitions à emprunter dans les espaces de la BEP pour l'étudier, un partenariat avec l'université. Et ça, c'était vraiment très très bien. Et je remercie Elodie. Enfin voilà, je trouvais que ça, c'était très très bien, cette journée professionnelle dont Elodie a parlé du 24 septembre, a parlé tout ce matin. Donc en lien avec le plan de signalement 2022. Donc on a pu échanger avec plein de gens. Et de la plus grande des bibliothèques à la plus petite, on se rend compte que voilà, les questionnements sont les mêmes et c'est réjouissant. Donc voilà, je vous mets rapidement. Donc ça, c'était le beau programme que nous avait fait le Capitole pour des concerts qui devaient avoir lieu en février, mais qui finalement ont été reportés en juillet, parce que tout ça a été évidemment très, très, très agité. Et là, oui, alors ça, c'est très mignon. Donc on a fait des, on a, donc vous savez, on fait beaucoup de musique hein, à la Bibliothèque d'études du patrimoine. Donc on a très souvent des pianos à queue sous la coupole, enfin non, à côté. Et donc on a fait venir des grands pianistes, hein, Rignol est venu, mais là c'est des petits enfants donc d'une école de musique de Saint-Cyprien qui dans leur année scolaire ont travaillé du Séverac et ont fait leur grande audition de fin d'année là le 30 juin à la bibliothèque et donc des petits ont joué du Séverac parce que Séverac a fait une série de pièces qui s'appelle En vacances qui sont des pièces pour les pianistes débutants. Bon, enfin faut quand même quand même déjà quand même y arriver, mais donc on a eu ces petits enfants, donc c'était quand même pour eux, vous imaginez, dans la grande salle, voilà. Donc ça nous a beaucoup plu de faire ça. Voilà. Et donc ensuite voilà, on a fait ça, c'est le colloque de la qui a eu lieu à la BEP aussi. Et donc là c'est la journée OLL qui a eu lieu il y a peu de temps. Voilà.